transformés en la même image. Nous regardons Christ, nous regardons son ministère, nous voyons sa puissance et son onction. Nous le regardons, nous le contemplons, nous l'étudions et nous l'écoutons et nous voyons que ce qu'il veut que nous soyons, ce qu'il veut que nous fassions dans cette dispensation, nous sommes transformés du concept de l'Ancien Testament, du processus du Nouveau Testament. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. C'est-à-dire comme vous commencez à manifester le ministère de Christ à ce niveau de gloire, vous continuez de le regarder, de l'étudier, d'avoir une plus grande grâce. Vous irez d'une gloire à une plus grande gloire. Le Seigneur va vous élever en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous allons voir ce soir le ministère le plus excellent du sacerdoce du Nouveau Testament. Nous allons voir 3.1. Le ministère limité des sacrificateurs de l'Ancien Testament. 2. La médiation perdue. Ils doivent exercer cette médiation entre les pécheurs et le Seigneur. Et ils devaient réconcilier les gens avec Dieu. Finalement, ils ont perdu ce ministère. La médiation perdue du sacerdoce transformateur ordonné. Ils sont ordonnés à transformer, à montrer la lumière, à montrer la connaissance du Seigneur aux gens. Ils l'ont perdu. 3. C'est le mandat illimité des prédicateurs du Nouveau Testament. Nous, prédicateurs du Nouveau Testament et les sacrificateurs du Seigneur, le mandat qu'il nous a donné, il ne nous a pas donné le mandat de l'Ancien Testament, c'est-à-dire examiner les gens, interroger les gens, arrêter les chasser. Mais le mandat du Nouveau Testament, c'est de rendre meilleurs tous les gens qu'on rencontre, qu'on les rende plus profitables dans le royaume de Dieu. Le mandat illimité des prédicateurs du Nouveau Testament. Allons au premier point. C'est le ministère limité des sacrificateurs de l'Ancien Testament. Déjà, on a lu le passage là. Allons à Lévitique 13. Lévitique 13, 45. Le lépreux atteint de la plaie portera ses plaies déchirées et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera impur, impur. Le verset 46. Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Il est impur. Il habitera seul. Pas de communion. Il demeurera seul. Pas d'association. Il habitera seul. Il sera mis en quarantaine. Il sera mis dehors, hors du camp. Il habitera seul. Sa demeure sera hors du camp. C'est divisé en trois sections. Première partie. C'est la limitation des sacrificateurs de l'Ancien Testament. 2. La lamentation des personnes observatrices et fiables. Ce sont les gens dans l'Ancien Testament qui observent. Ils regardent les premiers jours de Moïse. Ils considèrent leur temps. Et parce que la limitation qui rend les sacrificateurs de l'Ancien Testament d'aller dans la dégradation, ils se lamentaient. Et 3, c'est la lèpre sur les gens transgresseurs et incriminés. Allons à la première partie. C'est la limitation des sacrificateurs de l'Ancien Testament. On a le Lévitique. Et allons au Nombre, chapitre 5, verset 1. Nombre 5, verset. L'Éternel parla à Moïse et dit: ordonne aux enfants d'Israël de renvoyer du camp tous les lépreux et quiconque a une gonorrhée ou est souillé
pas un mort. Alors, il faut les mettre dehors, il faut les renvoyer. Voyons le verset 3. Homme ou femme, vous les renverrez, oh, vous les renverrez hors du camp, afin qu'ils ne souillent pas le camp au milieu duquel j'ai ma demeure. C'est-à-dire que tous ces gens qui sont renvoyés parce que la lèpre est contagieuse et ils n'ont pas de vertu, de guérison, ils n'ont pas de puissance pour les guérir. Alors, pour ne pas empirer le cas pour l'assemblée des enfants d'Israël, tout ce qu'ils pouvaient faire, c'est de les renvoyer, de les mettre hors du camp. Le verset 4 dit... Les enfants d'Israël firent ainsi, et sans partialité, et sans considérer ceci et cela, sans user de favoritisme. Et c'était Marie qui a contracté la lèpre, et elle et Aaron, le souverain sacrificateur, parlaient contre Moïse, et Aaron n'avait pas le pouvoir pour la guérir. C'est seulement ce qu'il pouvait faire, c'est de parler à Moïse. Moïse n'était pas le sacrificateur du Seigneur, n'était pas ni le souverain sacrificateur, il est serviteur de Dieu. Tout ce qu'il pouvait faire, c'est de supplier Moïse, de prier pour elle, de la guérir, afin qu'elle ne soit pas comme l'une des gens rejetés. Et Dieu a dit, nous allons toujours suivre le principe avant qu'elle ne soit guérie. Mais Moïse va prier, mais elle sera hors du camp. Et l'Éternel parla à Moïse. Homme ou femme, vous les renverrez hors du camp, afin qu'ils ne suivent pas le camp au milieu duquel j'ai ma demeure. Alors, c'est leur limitation. Ils ne pouvaient pas guérir ni délivrer, mais ils pouvaient les mettre hors du camp. Dans notre situation, dans notre église ici, quelle est notre première pensée lorsque quelqu'un est rétrograde, lorsque quelqu'un s'est égaré? La première chose, c'est de les renvoyer, c'est de renvoyer ces gens-là. Alors, ne devons-nous pas avoir une meilleure méthode pour aborder que voici, on a appris ce qui s'est passé, mais quand même, on ne tolère pas le péché, mais est-ce qu'on peut prier avec eux? Est-ce qu'on peut les aider à être bien convaincus? Est-ce qu'on peut les aider à se repentir? Est-ce qu'on peut les aider à avoir une consécration, un engagement qui dit que je ne récidiverai plus, je ne ferai plus cela? Et leur vie commence à briller. Voyons la deuxième partie ici. La deuxième partie, nous allons voir la lamentation des personnes observatrices et fiables. Il y a des gens dans le pays qui observaient ce qui se passait. Et ils voyaient que, quoique les sacrificateurs de l'Ancien Testament n'étaient pas en mesure de guérir ou de purifier les lépreux, il y a certains prophètes, des prophètes qui s'identifient, qui se sont distingués et qui ont le pouvoir que les Lévites et les sacrificateurs n'avaient pas. Deux rois 5.1, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Et voici un étranger. Et un étranger au droit de cité d'Israël. Et il fut lépreux, un grand homme, un vaillant guerrier. Et c'est un officier dans l'armée. Il a apporté la victoire à son pays. Et le verset 2 dit, oh, les Syriens étaient sortis par troupes. Et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et le verset 3 nous dit,
Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, pas au sacrificateur, la petite fille n'a pas l'idée que le sacrificateur a la puissance, mais il connaissait le prophète. » Mais vous pouvez vous distinguer, au lieu d'avoir l'esprit d'investiguer, d'interroger, de chasser, tu peux avoir cet esprit-là, de la purifier, d'avoir le miracle, de te relier, de te connecter au Seigneur Jésus-Christ. Ce que Jésus a fait à ces gens-là. Mais s'il est là aujourd'hui, que fera-t-il à celui-ci, à celui-ci? Donc, la petite fille a dit que si mon maître était à Samarie, alors il le guérirait de la lèpre. Et le verset 4 dit, Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Finalement, Naaman était allé vers Élisée. Et le verset 9 dit, Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Le verset 10, Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi cette fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Évidemment, Élisée aurait lu l'Ancien Testament, un prophète en Israël. Il aurait su comment examiner la lèpre, comment voir le cheveu est blanc, le poil est blanc. Et il aurait examiné que voici une véritable lèpre et confirmé l'homme là impur. Non seulement ça, il aurait connu les sacrifices, les deux oiseaux qui doivent être sacrifiés, un dont le sang est aspergé, l'autre laissé s'en aller. Tous ces détails, oui, Élisée ne se référait pas à ces choses. Si vous avez la puissance de guérir et la révélation qui venait du Seigneur, que dit à l'homme et sa chair sera pure, donc tu n'auras pas besoin de ces rites cérémoniaux. Vous connaissez bien l'histoire. Tout d'abord, il a refusé. Après, tu l'as accepté. Il était allé se plonger dans le Jourdain et il était guéri. Le verset 14 dit, il descendit alors et il se plongea sept fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Et vous serez pur de toute souillure, soit physique ou spirituelle. La pureté viendra sur vous au nom de Jésus-Christ. Après cela, verset 15 dit, Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre. » Lorsqu'on va à la croisade, à disséquer, alors quel est notre but? Est-ce que notre but c'est d'examiner les gens pour leur dire combien ils sont pourris, ils sont pécheurs, rejetés? Comment? Alors, on doit leur faire comprendre leur misère et rentrer les têtes en bas, les têtes baissées. Non, ce n'est pas ça. Le but, c'est de voir la manifestation de la puissance de Dieu et de déclarer qu'il n'y a point d'autre Dieu qui puisse sauver, qui puisse guérir et délivrer de cette manière et qu'ils soumettent leur vie au Seigneur. Connaissez votre
objectif. Lorsque vous allez prêcher, il faut savoir ce que vous poursuivez, le résultat que vous voulez avoir. Disait que, et voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Et le verset 16 dit, et Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Psaume 114, 9. Nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophète et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. La lamentation est que nous avons... Où sont les gens comme Élisée, des gens comme Élie, qui n'ont pas seulement le souci de, on comprend, dans l'Ancien Testament, on n'a pas besoin de pouvoir pour chasser les lépreux. On n'a pas besoin de grâce pour mettre les lépreux en quarantaine. On n'a pas besoin d'onction pour renvoyer les lépreux. Tout cela peut être fait. Même examiner, on n'exige pas la grâce ni l'onction pour cela. Et pour confirmer, selon les signes, regardez le signe, regardez l'homme là. Alors vous comparez, alors il n'y a pas de grâce exigée, il n'y a pas d'onction qu'il faut pour faire cela. Mais si on doit avoir le ministère de Christ sur le lépreux, sur les gens qui ont des cas, n'importe quel cas, et nous devons transformer leur vie par la force du Seigneur. C'est pourquoi on a besoin de la grâce. On a besoin d'intercéder. Il faut espérer en l'Éternel. C'est pourquoi il faut la nature de Christ. Donc, ils se sont lamentés, les gens qui sont observateurs et les gens qui se fient au Seigneur. Ils disent que, oui, et ils ne voient, ils disent que, ne voyons pas nos signes. Il n'y a pas de prophète. Et que nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophète. Et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Luc chapitre 4, le verset 27. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié. Si ce n'est Naaman le Syrien, mais les lépreux qui étaient en Israël, nul n'était purifié, si ce n'est Naaman le Syrien qui venait du dehors. Pourquoi? Ces lépreux en Israël savaient que les prophètes et les sacrificateurs en Israël, que tout leur souci, c'est de les chasser et de les renvoyer, de les mettre en quarantaine. Toute leur préoccupation, c'est ce qu'ils peuvent, ils pouvaient faire sans intercéder, sans avoir l'onction. Alors, ne s'est pas dérangé pour aller vers quelqu'un qui se nomme dirigeant. Mais Naaman ne connaissait aucun de cet ordre lévitique. Donc, alors que si mon maître va vers le prophète, il sera guéri. C'est ce qu'il a pris au cœur. Si nous prenons cela à cœur, le Seigneur va nous guérir au-dedans. Il va guérir les gens au-dehors. Lorsque nous améliorons notre ministère, on ne cherche pas qui est le rétrograde et qui est la personne, qui est le faux type là-bas. Je cherche les gens là. Mon ministère, c'est d'avoir un gros gourdin, un gros bâton dans ma main pour chasser les gens. Lorsque nous changeons notre ministère, lorsque nous améliorons notre ministère, tout ce qu'on veut faire, s'ils ont tort, je vais les corriger. S'ils sont malades, je vais chercher la guérison de la main du Seigneur. Et les gens vont courir, ils vont venir à nous, ils vont venir vers nous. Nous allons les aider. Nous aurons le ministère du Nouveau Testament sur leur vie au nom de Jésus-Christ. Troisième partie ici.
C'est la lèpre sur les gens transgresseurs et incriminés. La lèpre qui était venue sur les gens transgresseurs et incriminés. Oui, nous connaissons l'histoire de Marie et Aaron à Hébreux, Nombre, chapitre 12. Nombre 12, 1. Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Verset 2. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? L'Éternel l'entendit. Aaron avait beaucoup de choses dans sa main, beaucoup de choses à faire pour servir. Ses fils aussi sont sacrificateurs, alors il devait les former. Il a abandonné le ministère significatif. Tout ce qui fait sa préoccupation maintenant. Regardez Moïse. Regardez. Il a pris une femme étrangère. Et Marie aussi, avec les femmes en milliers là-bas, au lieu de se concentrer sur le ministère, là, il parlait de Moïse. Vous savez, Marie et Myriam sont de même père et de la même mère. Ils sont plus âgés que Moïse. Tout ce qu'ils peuvent faire maintenant, c'est de dire, regardez ceci, regardez cela, mais concentrons-nous sur notre ministère. Dieu a accepté, il a approuvé. Ce Moïse, regardez l'eau qui sortait du rocher par les ans. Et regardez l'eau amère qui est changée en eau douce. Il faut en parler. Regardez le serpent d'airain qu'il a levé. Et quiconque regarde cela est guéri. Il faut en parler. Regardez l'épée. Regardez plutôt la verge qu'il a tendue. Et puis le truc, la mer rouge a divisé. Dès que Moïse lève la main sur la montagne, les ennemis sont vaincus. Et ces petites choses de famille, alors et oublions cela et avançons dans notre ministère. Mais le résultat est que le Seigneur s'est irrité contre Aaron et Marie. Et le verset 8 dit, verset 8, je lui parle bouche à bouche, c'est Dieu qui parle ici maintenant. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Voilà le verset 9. Verset 9. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. La lèpre n'était pas venue sur Aaron, mais la colère de l'Éternel s'enflamma contre lui. Dans le physique, pour montrer cette colère, voilà le verset 10. La nuée se retira de dessus la tente, et voici, Marie était frappée d'une lèpre, blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. Le verset 11. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur. Alors il était le frère. Il est le frère aîné de Moïse. Et Moïse, le Seigneur a dit, ton petit frère Moïse serait ton prophète, tu vas écouter de lui et tu vas déclarer la parole parce que Aaron est éloquent. Donc Aaron maintenant s'était réveillé que non, je ne devais pas sinon ouvrir la bouche contre Moïse, que ce doit être Moïse qui écoute la parole du Seigneur et me le dit. Il dit, ah mon Seigneur, et il dit que et à Seigneur que alors Aaron dit à Moïse, de grâce mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché
que nous avons commis en insensé et dont nous sommes rendus coupables. Verset 12. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né, dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Verset 13. Moïse cria à l'Éternel, que vraiment un homme, un serviteur de Dieu, doux et humble comme le Seigneur Jésus-Christ, ne veut pas se venger. Il ne veut pas dire que c'est bon pour lui, c'est bon pour toi, c'est bon pour toi, Aaron. Alors ça te sert bien. Alors c'est bien. Il faut faire sortir Marie du camp. Moïse ne s'intéressait pas à chasser les gens, qu'ils souffrent pour le mal qu'ils ont fait. Tout l'intérêt de Moïse, c'est que les gens soient purifiés, qu'ils restent dans le camp, qu'on aille ensemble à la terre promise. Moïse cria à l'Éternel en disant, « Oh Dieu, je te prie, guéris-la. » Et on va à Sophonie 3. Et le verset 4. « Ces prophètes sont téméraires, infidèles. Les enfants d'Israël sont rentrés dans une dégradation totale. Ils ont oublié leur service et tout ce qu'ils font maintenant. Ils font des choses sans grâce, sans onction. Et ils oppriment le peuple. Et ces prophètes sont téméraires, infidèles. Ces sacrificateurs profanent les choses saintes, violent la loi. » Les sacrificateurs ne pouvaient pas les purifier, les rendre meilleurs. Au fait, le ministère de ces sacrificateurs a dégénéré au point qu'ils ont profané les choses saintes et violent la loi. Allons au deuxième point. Nous allons voir la médiation perdue du sacerdoce transformateur ordonné. Ce que le Seigneur espère d'eux, c'est qu'il transforme les gens. Que leur sacerdoce, c'est pour être un agent transformateur dans les mains du Seigneur, qu'il les enseigne la parole de Dieu, qu'il transforme leur vie et qu'il fasse d'eux des gens acceptables devant le Seigneur. Mais ils ont perdu cette médiation. Ils ont perdu ce ministère. Nous allons à Lévitique. Lévitique, chapitre 22, verset 4. Tout homme de la race d'Aaron qui aura la lèpre ou une gonorrhée, pensez-y, ces prêtres, sacrificateurs, fils d'Aaron, ne devaient pas avoir la lèpre. Ils devaient examiner ceux qui ont la lèpre et traiter leur cas. Mais la situation est arrivée que eux-mêmes, la protection et la couverture n'étaient pas pleinement sur eux. Et tout homme de la race d'Aaron qui aura la lèpre ou une gonorrhée ne mangera point des choses saintes jusqu'à ce qu'il soit pur. Il en sera de même pour celui qui touchera une personne souillée par le contact d'un cadavre, pour celui qui aura une pollution. Ces gens ne seraient pas en mesure d'officier, de servir ou faire quelque chose parce que la lèpre qu'ils devaient investiguer, interroger le lépreux et chasser, renvoyer ces gens eux-mêmes. Ils avaient la lèpre. Nous allons voir trois sections ici. Voyons la lèpre disqualifiante sur les sacrificateurs trop zélés. Pas les sacrificateurs officiants, mais les sacrificateurs qui portent la position dans la tête. Je suis sacrificateur et la lèpre vient sur eux pour les disqualifier. 2. La vie dégénérée des princes obstinés. Les prêtres et les princes, et les sacrificateurs, les princes sont devenus dégénérés. 3. La tiédeur
séduisante des prédicateurs dépassés, les prédicateurs qui restent au-dessus de Dieu, au-dessus de tout, alors ils sont pris dans le péché de la lèpre. 1. Nous allons voir la lèpre disqualifiante sur les sacrificateurs trop zélés. Nous allons à 2 Rois 5, 20. Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, « Voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui, et j'en obtiendrai quelque chose. » Verset 21. Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, « Tout va-t-il bien ?» Verset 22. Il répondit, « Tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, est-ce vrai ? Y a-t-il a-t-il demandé la permission de son maître ?» Vous voyez, continuons. Il dit, voici vient d'arriver chez moi, deux jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, dont les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, un talent d'argent et deux vêtements de rechange. Verset 23. Naaman dit, consent à prendre deux talents. Il le pressa et il serra deux talents d'argent dans deux sacs, donna deux habits de rechange et les fit porter devant Géasi par deux de ses serviteurs. Verset 24. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison, et il renvoya ces gens qui partirent. Verset 25. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Maintenant, Élisée n'a pas besoin de psychologie pour l'examiner, pour l'interroger, pour l'investiguer, pour le questionner. Élisée n'a pas besoin de tout cela. Ouais. Élisée est un prophète. Alors, il s'était développé au-delà du niveau des sacrificateurs d'Israël, des fils de Aaron. Il a reçu la double portion de l'Esprit de Dieu. Il a demandé cela d'Élie. À cause de cela, il connaissait la vérité sans que Géasi soit questionné, mais il avait l'Esprit, il avait le don de l'Esprit. Et si nous passons beaucoup de temps sur nous-mêmes, ayant l'Esprit de Dieu en une mesure abondante, afin que nous soyons plus utiles dans l'assemblée que nous dirigeons, au lieu toutes ces méthodes et les choses machinales, les choses psychologiques et tout ce qu'on fait. Alors, ensevelissons tout cela et développons-nous
afin que nous soyons plus bénéfiques, profitables pour le peuple de Dieu dans le ministère. Voilà le verset 26. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? Verset 27. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit, il a perdu son ministère à cause de la lèpre qui était venue sur lui comme jugement. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Allons aux Éphésiens 5. Éphésiens 5, nous lisons le verset 5. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide comme Géasi cupide, c'est-à-dire idolâtre, il a adoré l'argent, il a adoré ce que Naaman a offert à Élisée. Élisée n'a pas accepté que je l'ai reçu gratuitement, je te l'offre gratuitement. Et Géasi, à cause de la cupidité, a couru après lui et il a reçu la chose-là. Et la parole de Dieu dit, non seulement il est cupide, il n'est pas pur, un cupide qui n'est pas pur, qui n'est pas transformé, changé, non seulement qu'il perdrait son ministère, mais il perdra aussi le royaume de Dieu, le ciel. Et il n'a pas, c'est-à-dire qu'idolâtre n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. 6. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses, la cupidité, car c'est à cause de ces choses, l'avarice, car c'est à cause de ces choses, c'est-à-dire courir après des gains illicites. Et c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Le verset 7 dit, n'ayez donc aucune part avec eux. Voyons la deuxième partie ici. La vie dégénérée des princes obstinés. Les princes obstinés, les princes qui doivent amener les gens à regarder Dieu et faire de la nation d'Israël la nation la plus à désirer sur terre. Ces princes sont devenus obstinés et sont dégénérés. On va à Jérémie chapitre 2 verset 21. Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère? Le verset 22. Quand tu te laverais avec du nitre, quand tu employerais beaucoup de potasse, ton iniquité resterait marquée devant moi, dit le Seigneur l'Éternel. 26. Comme un voleur est confus lorsqu'il est surpris, ainsi seront confus ceux de la maison d'Israël, eux, leur roi, leur chef, leur sacrificateur et leur prophète. Ils n'avaient pas embrassé l'opportunité qu'ils avaient d'être très proches de Dieu pour être employés par Dieu, pour être transformés par Dieu et qu'ils restent au niveau élevé du ciel dans les lieux célestes qu'ils devaient garder. Romains
1:21. Puis, ayant connu Dieu, ces prophètes de l'Ancien Testament, ces gens-là, lorsqu'ils avaient Dieu, initialement, lorsqu'ils ont connu Dieu, sa puissance, en ces premiers temps, ces gens qui étaient sortis d'Égypte, qui ont traversé la mer Rouge, ces gens qui avaient l'alliance de paix avec Dieu, ils connaissaient Dieu au départ. Maintenant, ils sont comme des païens. Et puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Oui, ces sacrificateurs de l'Ancien Testament devaient se considérer que Dieu nous a mis à part en tant que fils de Lévi et nous a donné ce poste afin que nous connaissions tout le peuple d'Israël au Dieu vivant, que c'est un grand privilège. Et être reconnaissant. Non. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Et le verset 22 dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Le verset 23, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Cela parle des païens, mais ce qui est applicable à ces Israélites. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Ces gens ont abandonné l'usage naturel du corps et se suent eux-mêmes. Ils ont oublié l'objectif de la création, de la rédemption, le pourquoi ils sont ordonnés à servir, pourquoi ils sont ordonnés dans ce ministère. Le verset 25, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré, servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Le verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Verset 27. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritaient leur égarement. Il dit que maintenant, parce non seulement la lèpre, il y a des maladies vénériennes, il y a le VIH, il y a beaucoup de maladies maintenant, apparemment incurables, naturellement parlant, sauf par la puissance de Dieu, à cause de la façon ils se sont livrés à ses désirs de la chair. Et le verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Le verset 29. 29. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité. Verset 30. Rapporteur médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelle à leurs parents, dépourvu d'intelligence. 31. De loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. 32.
et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Voyons la troisième partie ici. La tiédeur séduisante des prédicateurs dépassés. Ils font les choses mauvaises. Ils ont abandonné le ministère central. Ils ont abandonné leur appel central. Ils ont abandonné leur consécration centrale. Et les choses insignifiantes qu'ils font maintenant. Et alors, ils sont pris, ils sont dépassés. Galates 6, verset 1. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque chose, en quelque faute, ouais, comprenons. Lorsque quelqu'un prie, ouais, vous regardez les sacrificateurs de l'Ancien Testament, s'ils voient un signe de lèpre, ils se concentrent sur cela. Ils n'ont pas le pouvoir pour guérir, mais ils ont la passion pour examiner, aller en détail. Mais frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec le sacrifice du Seigneur, le sacrificateur du Seigneur. Nous sommes les prophètes, les sacrificateurs du Seigneur. Nous sommes les prédicateurs de l'Évangile maintenant. N'allons pas chercher comment condamner les gens, renverser les gens, mais on examine, on dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire afin que nous soyons afin qu'ils soient les hommes et les femmes qu'ils doivent être. Si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur et non d'orgueil, et non disant que oui, tu vas savoir qui je suis. Oui, je suis le dirigeant ici. Je t'ai surpris. Je t'ai arrêté. Je t'ai attrapé. Oui, tu vas sentir du piment ici. Ça va péter pour toi. Mais il faut le redresser. Redresse-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Allons au troisième point. Nous allons voir ici le mandat illimité des prédicateurs du Nouveau Testament. C'est celui que nous sommes. Nous allons au-delà des gens de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance. Nous voulons savoir quel est notre mandat et quel est l'aspect illimité de notre mandat en tant que les gens du Nouveau Testament. Nous allons voir ceci en trois sections. Première partie, c'est son ministère de purifier, non de chasser les lépreux. Cela se réfère à Christ. 2. Notre mandat de purifier, non pas juste de conseiller les lépreux. Et puis, 3. La soumission en consécration et en conformité au Seigneur. Allons à la première partie. Nous allons voir Christ. Qu'a-t-il fait? Comment l'a-t-il fait lorsqu'il était sur terre? Alors, il a confronté les lépreux. Qu'a-t-il fait? Est-ce qu'il est retourné au passage lévitique pour voir comment les examiner? Voyons ce qu'il a fait. Nous allons à Marc 1, 40. Un lépreux vint à lui, se jetant à genoux. Il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Déjà, l'homme savait qu'il était le lépreux, donc on ne doit pas encore l'examiner. Il savait qu'il était lépreux, alors il ne l'interrogeait pas. Comment la lèpre est venue sur toi, combien d'années? Il dit, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Verset 41. Jésus, ému de compassion, la compassion, c'est ce que nous appelons de Christ. Lorsqu'on trouve quelqu'un qui a la lèpre, qui a un cas,
qu'il y a la folie, qu'il y a des problèmes spirituels, mais quelqu'un qui s'est attiré le malheur, il ne pouvait pas céder, alors il faut la compassion. Jésus est ému de compassion et tendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Le verset 42, aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Le ministère de purifier le lépreux et non de le chasser. Luc 17, nous lisons le verset 14. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. Ils sont les 10 lépreux qui ont rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont dit, fils de David, aie pitié de nous. Et encore la compassion. Il ne les avait pas touchés, il ne les avait pas examinés comment la lèpre est, quelle partie est blanche, quelle partie est rouge. Il dit, allez vous montrer au sacrificateur. Pourquoi? Pourquoi, dit-il, va te montrer au sacrificateur? Les lèpres dans l'Ancien Testament, rappelez-vous, Naaman n'était pas israélite. Mais ceux qui étaient israélites et qui avaient la lèpre, alors ils sont examinés. Alors le sacrificateur va l'examiner que voici, oui, il est lépreux et il est impur. On doit bien l'examiner pour affirmer que réellement cette personne est impure, alors est pure avant de pouvoir l'amener au sein de l'Assemblée d'Israël. Vous voyez, il y a de cela plus de 2 ans, aucun en Israël n'était revenu au sacrificateur pour dire que nous étions lépreux, tu nous as examinés et nous sommes maintenant on est purs. Alors, et ils ne suivaient pas le processus d'affirmer leur processus, leur purification. De plus de 2000 ans, oui, le processus de purification n'a pas été fait. Oui, le lépreux en Matthieu 8, Jésus a dit, et Marc aussi, ne dites à personne, allez vous montrer au sacrificateur. Si vous dites à ces gens, ils n'ont pas le pouvoir de vous guérir pour vous amener à l'assemblée. Tout le monde croit que vous êtes impur. Allez vous montrer au sacrificateur et lui, il va affirmer que tu es pur. Alors tu seras accepté encore à l'assemblée. Et c'est dit que allez vous montrer au sacrificateur. Le sacrificateur, si ces gens vont vers les sacrificateurs et voient qu'ils sont maintenant purs, ils vont penser qu'il y a depuis des années, que la purification n'a pas lieu. Qui a fait ceci? Ils diraient, c'est Christ. Et ces sacrificateurs seraient forcés à affirmer que c'est vraiment, il est le Christ. Et allez leur dire, allez vous montrer à ces gens qu'ils affirment et confirment que voici le Christ. Vous connaissez bien l'histoire. Et comme il allait, ils étaient purifiés. Comme vous irez au nom de Jésus, vous serez totalement purifié au nom de Jésus-Christ. Voyons Matthieu 11, verset 2. Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples. Verset 3. Es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Verset 4. Jésus leur répondit, allez, rapportez à Jean ce que vous entendez
Et ce que vous voyez, es-tu le Christ? Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? Allez dire à Jean ceci. Lorsque vous direz à Jean ceci, il saurait que voici celui qui a venu, à venir, et c'est l'évidence qu'il est le Christ. Et le verset 5. Les aveugles voient. Cela n'était pas arrivé dans l'Ancien Testament. Quelque chose se passe dans le ministère de Christ qui n'était pas arrivé dans l'Ancien Testament. Les boiteux marchent, cela n'était pas arrivé. Les lépreux sont purifiés. Lorsque vous dites cela à Jean, Jean saurait que voici l'évidence de celui qui est plus élevé que les sacrificateurs qui vont les examiner et les chasser. Dans le cas de celui-ci, et les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et nous dit au verset 6, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Le ministère de Christ, c'est de purifier les lépreux et non de les chasser. 2. Notre mandat de purifier, pas juste de conseiller les lépreux. Nous avons un ministère supérieur à celui des sacrificateurs et des prophètes. Nous avons maintenant un mandat. Matthieu chapitre 10, le verset 1. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs. Il chassait les esprits impurs des hommes. Il ne chassait pas les gens de l'assemblée. Il chassait les démons, quel que soit ce que les gens avaient, quel que soit ce qu'ils manifestaient, pour les disqualifier d'être au sein des justes. Alors, chasser ces choses d'eux, pas qu'ils soient eux-mêmes chassés. Il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Le verset 7 dit, « Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. » Voyez le mandat au verset 8. Guérissez les malades. Purifiez les lépreux. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Amen. Troisième partie ici. Nous allons voir la soumission en consécration et en conformité au Seigneur. La consécration que nous devons avoir, et l'engagement et la conformité au Seigneur que nous devons avoir. Romains chapitre 8, verset 29 qui dit, « Car ceux qu'il a connus d'avance les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » Être semblable, le caractère de Christ, le ministère de Christ, l'onction de Christ, la puissance de Christ que nous devons recevoir et que nous soyons semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Puisse le Seigneur nous qualifier au nom de Jésus-Christ. Deuxième Timothée 2, verset 5. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Nous voyons notre vie. Alors, quand il s'agit de guérir les malades, alors on cherche à maîtriser la matière. Alors, on cherche tout ce que le Seigneur nous a donné à faire, alors dans notre maturité,
on cherche, on vise à la maîtrise et on veut être à l'image de Christ et nous consacrons complètement. Et c'est dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Nous voulons dire au Seigneur, Seigneur, on a entendu, on ne veut pas rester au niveau des sacrificateurs de l'Ancien Testament. Nous voulons monter, vous allez monter. Votre ministère deviendra grand et vous serez plus élevé. Vous allez faire aujourd'hui plus qu'hier, plus que la semaine passée, plus que l'année passée. Que la grâce de Dieu, la puissance de Dieu croisse dans votre vie. Que l'onction du Saint-Esprit croisse dans votre vie. Que vous fassiez ce que vous n'étiez pas en mesure de faire. Et que le Seigneur soit avec vous, qu'il ne vous abandonne pas. Priez, vous tenir debout et parler au Seigneur dans la prière.